Au Cambodge, et en particulier dans la région comprise entre le Mékong et la rivière Tonlé Sap, on construit les maisons sur pilotis. Car dans ces pays, on n'ignore pas la force des inondations causées par les pluies de la mousson. Alors, plutôt que d'avoir les pieds dans l'eau et de passer de longues heures à écoper et nettoyer, on préfère surélever les maisons. Mais il n'y a pas que des maisons le long de la route. On y voit aussi des temples dans chaque village, et puis ces intrigantes portes à l'entrée de ceux-ci. Et il y a bien sûr aussi des animaux, surtout des vaches près des maisons ou sur la route. Mais ce qui frappe peut-être le plus, ce sont ces paysages étonnants, très plats avec des rizières, agrémentés de quelques arbres épars. La route traverse aussi quelques localités, et dans ces villages il y a souvent un marché. Même si certaines spécialités locales sont parfois étonnantes. Après ce marché aux poissons, un arrêt au marché aux insectes s'impose. Ces insectes frits et épicés font désormais partie de la gastronomie cambodgienne, depuis leur découverte par les habitants sous le régime des Khmers rouges, forcés à l'époque de faire preuve d'imagination pour ne pas mourir de faim.